Salut tout le monde, c'est Yann Esther et aujourd'hui on se retrouve, et non pas pour les minutes freestyle, je sais que je présente toujours cette map dans les minutes freestyle, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à cliquer juste en bas à droite et à gauche. Et non, ce n'est pas pour les minutes freestyle, mais tout simplement pour les minutes, enfin plutôt les minutes, les chroniques de... Chuckyland. Et oui, les chroniques de Chuckyland, où cette fois-ci je présente cette map, que je fais tout le temps en mode créative, à partir de cette nouvelle série. Depuis qu'il y en a 1.4, comme vous le voyez, je me suis un petit peu amusé à regarder ce qu'il y a en 1.4. Epilepsy ! Voilà, tout simplement, Epilepsy ! Donc, Chuckyland a eu les changements, quelques petits changements de cette 1.4 que je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste me débarrasser de ça, ils sont totalement inutiles. Tout simplement du point de spawn que j'ai décoré pour moi-même. Et le point de spawn, justement, grâce à un bloc qu'on ne trouve pas dans l'inventaire, qui est ceci, le command block. Le command block qui permet justement de définir votre point de spawn dès que vous commencerez cette map. Je vous mettrai le lien de cette map toujours dans le descriptif de la vidéo. Donc vous commencerez par ce petit abri qui vous abrite de cette grande pluie. Elle est vraiment fréquente, cette pluie. Ce n'est pas le seul changement, truc bénéficie. Rock City, la première ville. Dès que vous entrez dans le serveur, que bénéficiez de la 1.4, voyez que Rock City bénéficie de la 1.4. Il bénéficie aussi de ce plan, en plusieurs plans, tout simplement, pour que ce soit encore mieux pour vous diriger, justement, dans les coins et les recoins de la ville, tout simplement. Donc, comme vous voyez ici en vert, c'est justement là que se trouve justement ce fameux plan. Nous montons et nous arrivons justement, rien de changé par rapport aux fois précédentes où je vous ai montré, si ce n'est que cette lumière qui mène à un temple sataniste. Oui, vous avez bien entendu. Un temple sataniste, comme vous voyez. C'est vide, mais... Il y a des... Apparemment, Satan a eu ses disciples et ses disciples ont construit ce temple. Et bizarrement, il y a un truc qui me plaît bien. Vous voyez, c'est tout violé, ça sort. Je préfère ne pas vous le montrer. C'est vous-même qui allez le voir par vous-même. Tout simplement. Et donc, comme nouveauté de bâtiment. Ah oui, il y a aussi le temple de Rock Via. Je suis en train de laguer, mais je m'en fous. Fraps me fait des misères en ce moment. Il faut bien que je change d'un autre côté de... faudrait que je change de capture d'écran. Donc le temple de Rock Via, car rappelez-vous, lors de la première fois où je vous ai parlé de cette map, Minute Freestyle de Chuckyland, je vous ai dit que cette ville a été construite, selon une légende que j'ai inventée, qu'elle a été construite par le dieu Rockvia, par les golems en pierre qu'on va parfois balader, et parfois se suicider aussi, malheureusement, ces golems sont un peu mouillés de la tête. Et donc un temple a été construit à leur effigie, comme vous voyez, il y a une tête... Il y a de la lumière qui s'active dès qu'on passe à l'entrée et qui s'éteint dès qu'on la désactive. Et aussi un coffre avec des offrandes. Vous pouvez donner des offrandes. Moi, je donne mon casque. Je le donne à tous. C'est juste donner des offrandes à Rock Via, le dieu de la montagne. Ensuite, pour ce qui est des bâtiments, tout simplement un agrandissement vers l'arrière avec
plus de bâtiments. Énormément plus de bâtiments vers l'arrière, montant dans la montagne. Alors, ce que je vous avais pas dit aussi, c'est quelle proportion a cette ville. Enfin, quelle proportion aura cette ville dès qu'elle sera terminée. Et ben, vous voyez cette grosse montagne que vous voyez là. C'est toute grosse que je suis en train de faire la tour. Et ben, de toute cette montagne abritera la ville. Exactement, toute la ville est composée de cette grosse montagne. Elle est vraiment gigantesque. Je vous dis tout de suite, c'est vraiment énorme. C'est qu'il a fallu plusieurs cartes pour le faire. Alors, il prendra aussi de l'autre côté cette petite montagne. Enfin, j'appelle ça la petite parce qu'elle est plus petite que l'autre. Mais elle sera aussi reliée par la ville. Et oui, en effet, ça sera aussi une partie de la ville de Rock City. Pour être plus exact, je pense abriter un monastère géant dans cette partie-là. Ou quoi que non. Non, 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 ce sera bel et bien la suite de la ville qui sera abritée. Donc la ville aura deux parties. La partie, on peut dire la partie est et ouest. Voilà, la partie est et ouest de la ville. À vrai dire, je n'ai pas vraiment les repères, puisque la boule au sol, apparemment, d'après le guide de The Fantasio 974, nous donne justement le point de spawn et non pas le nord, le sud et l'est, l'ouest, et je trouve ça bien dommage. C'est bien dommage, ça aurait pu nous aider. Donc voilà, toute cette montagne, toute la montagne que je vous montre, sera la ville de Rock City. Et oui, c'est immense, vous allez me dire, mais c'est de la folie. Oui, de la folie, c'est exact. C'est de la folie, c'est exactement le but de Chucky Land, c'est de vous montrer, bien entendu, la folie d'un homme fou de création. Tout simplement. Voilà, alors, sans plus tarder, nous passons à la deuxième ville, qui est Göteborg. Et c'est à l'abri de la pluie, et dans une bien douce mélodie, que nous entrons dans Göteborg. Alors, Göteborg, quels sont les changements de cette ville? Qu'est-ce que j'y ajoute de nouveau? Et bien, juste quelques petits agrandissements de petits bâtiments du ciel. Aussi, le premier immeuble, je vais essayer de vous montrer, mais en montrant les agrandissements. Les petits immeubles, un immeuble de 3 étages dans cette ville. Et donc, voici le pont qui mène de l'autre côté, qui mène aussi à la deuxième entrée et sortie. Et oui, il y a une deuxième entrée et sortie, je vous montrerai par la suite, qui mènera à une autre ville, non pas Boomville, mais une quatrième ville. Oui, j'en ai fait une ville en plus. C'est une ville, je vous montrerai ça bien plus tard. Et voici donc le fameux immeuble dont je vous ai parlé. Comment dire? C'est juste un appart. Voilà, un appart qui donne l'entrée juste ici. Et l'appart a bien 3 étages. C'est le premier immeuble de Göteborg, et il possède... Oh, j'ai entendu une chauve-souris. Enfin, bref. Enfin, une chauve-souris. Et il possède tout simplement ce petit studio par-ci, par-là. Et j'ai aussi démoli la petite mine, parce que pour moi, il me gênait un petit peu trop. Finalement, je peux rien, peut-être rien construire dans cette mine. Et donc, nous allons voir aussi des agrandissements. Bon, et apparemment, c'est habité par des chauves-souris, mais il n'y a pas que des chauves-souris, il y a aussi des pingouins. Et oui, je les appelle toujours des pingouins. Alors, il y a aussi une petite place de point de vue avec un arbre vraiment gigantesque. Franchement, c'est la première fois que je construis ce gros arbre. On va peut-être, voilà, remplacer cette bousse. Je ne comprends pas pourquoi il y a de la bousse en l'air. Enfin, bref. Et il y a donc aussi un deuxième pont qui permet de faire la transition entre un côté et l'autre. Mais aussi à partir de l'autre pont que je vous avais déjà montré dans les vidéos précédentes, qui permet d'aller aussi de l'autre côté. Alors on va découvrir justement cette quatrième ville. On va pas passer par Boomville, puisque Boomville n'a pas vraiment changé depuis. Elle n'a pas du tout changé, j'ai rien fait à Boomville. Il faudrait peut-être que je commence à faire quelque chose à Boomville. Je commence donc à sortir de Göteborg. Oui, vous avez bien entendu, de sortir en passant par là.
Par la même occasion, il y a aussi des bâtiments par là, juste deux petits bâtiments. Je vais construire des routes par là, des routes par là. Aussi un petit point de vue, mais voilà, c'est un tout petit point de vue. Et donc par là, on passe par la deuxième sortie, on retombe sous la pluie, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement la quatrième ville dont je vous ai parlé, qui est en effet sur le thème des nuages. En effet, c'est Sky Island City. Eh oui, Sky Island City, donc qui possède des îles flottantes un petit peu de partout. Voilà, tout simplement. Des petites îles flottantes et une petite tourelle qui permet d'aller sur les îles les plus hautes qu'on ne peut pas accéder via des simples ponts. Vous remarquerez aussi un nouveau style de pont aussi et de nouveaux styles de bâtiments en forme de damier. Et oui, c'est aussi habité par des pingouins, apparemment. Que je vais essayer de marchander avec eux. Et ça m'intéresse pas trop la resto, non merci. Et apparemment, ils sont en train de faire les imbéciles avec la porte. Donc voilà un peu de nouveautés. Donc Boomville n'a pas changé du tout. Donc je vous montre quand même Boomville. Alors il y a aussi une île en construction, Sky Island City. Et je vous montre Boomville. En fait, Boomville il a énormément pas changé. Alors c'est pas loin du tout en vol. À pied, bien entendu, vous n'avez accès que au mode. Vous êtes en mode aventure quand vous commencez, donc pas de destruction de blocs et tout ça, c'est génial. Voilà, ça n'a pas changé du tout, si ce n'est que ce petit bâtiment juste derrière l'immeuble. Voilà, c'est rien, il n'y a absolument rien du tout. Tant que c'est dans cette pluie torride que nous quittions notre toute première chronique de Shucky Land. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande PGM.